Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo un petit peu particulière, un petit peu brouillon. J'ai plein de choses à vous dire. Et je sais même pas quel titre je vais mettre à cette vidéo, étant donné que c'est au sujet de la nouvelle moi, de la nouvelle Vava. Puisque tout simplement, comme je vous l'avais expliqué, et notamment aussi sur TikTok, que en 2023 j'avais décidé de me prendre en main. Et ça a déjà commencé, du coup je voulais vous en faire une vidéo, vous en parler un petit peu et avoir de vos conseils aussi. Donc je vais vous parler de mes résolutions que j'ai commencé à prendre et de ce que je vais réaliser cette année. Mes résolutions 2023, il y avait la reprise en main de mon corps et tout simplement de mon alimentation, éventuel régime, même si ça n'en est pas un. Mais je tenais quand même à vous en parler pour avoir de vos conseils, puisque je suis pas du tout experte là-dedans, que ça avait très bien marché au début, là ça marche quand même un peu moins. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler de mon corps, je vais vous parler de l'organisation dans ma vie de tous les jours, de ma maison, et aussi de quelques petits trucs qui ont changé dans mon quotidien. Donc je pense qu'on va commencer par le plus gros de cette vidéo, ça va être notamment la prise en main de mon poids, de mon corps. Tout simplement puisque j'ai déjà commencé il y a pratiquement 3 semaines on va dire. Ça faisait des années que je repoussais la chose, mais à un moment donné il fallait bien que ça arrive. Comme vous savez, j'ai accouché il y a presque 5 mois, donc forcément j'ai pris du poids, j'ai pris 20 kilos en étant enceinte, donc il fallait que je les perde. Et là j'étais arrivée à un moment où je stagnais totalement et je stagne encore un petit peu, donc c'est très compliqué de perdre des kilos de grossesse. Et je comprends maintenant toutes ces femmes qui disaient ouais j'arrive pas à perdre mes kilos de grossesse, c'est très compliqué puisqu'au début tout c'est de la flotte, c'est du sang, bref c'est plein de choses comme ça. Et en fait et bah après il y a le reste, il y a le gras accumulé qui a beaucoup plus de mal à s'en aller. Donc j'ai repris les choses en main et je vous en avais parlé sur TikTok, mais j'entame une transformation physique, vous avez compris c'est un terme, mais où j'ai vraiment envie de changer physiquement. Je m'aime plus du tout physiquement, je me correspond pas, je suis pas du tout physiquement ce que j'ai envie d'être. Donc du coup j'ai rattaqué le sport il y a environ 3 semaines, j'avais fait ma rééducation du Pyrénées qui s'est terminée il y a un bon moment déjà et j'avais pas osé reprendre le sport, j'étais clairement pas motivée, sauf que je sais pas, j'ai eu un déclic, je saurais pas vous dire lequel, mais je me suis dit c'est plus possible maintenant, j'en ai marre d'être au-dessus des 70 kilos, je vais redescendre comme avant, même si ça peut être même mieux qu'avant, je suis pas du tout contre. Sachant que avant ma grossesse je faisais 65 kilos et que j'aimerais bien retomber à 63, entre 60 et 63, bref. Je sais que mon chéri aime plus les meufs qui ont des formes, mais voilà, c'est comme ça, c'est moi j'ai envie de devenir ce que j'ai envie d'être, donc 2023 cette année est à moi. Je vais vous parler aussi chirurgie esthétique, ça c'est un truc qui a changé, mais bref, j'y reviendrai plus tard dans cette vidéo. Donc j'ai attaqué le sport, sachant que je fais pas du sport tous les jours, au début je m'étais vraiment fixée tous les jours, et en fait je me rends compte que c'est pas trop possible, que je trouve pas le temps ni la motivation, donc j'ai pas envie de me forcer, de m'en dégoûter. Donc je fais vraiment quand j'en ai envie, mais on va se dire qu'on fait environ 3-4 séances par semaine, sachant que généralement je les fais avec mon chéri, donc c'est plutôt plaisant. Je fais des exercices uniquement qui me plaisent, je vous en ai montré quelques-uns sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous referai un TikTok d'ailleurs par rapport à ça d'ici 2-3 jours je pense, où je vous montre mes exercices que je faisais quand j'avais 17 piges, puisque je faisais de la musculation, donc forcément ça reste ici. Même si j'ai eu beaucoup de conseils, ouais tu devrais faire ça pour avoir un ventre plat, faut savoir que je n'ai plus d'abdos. Plus rien, c'est-à-dire le néant. Là c'est revenu un petit peu parce que bah, j'ai quand même fait pas mal de sport, mais quand je touchais mon ventre, ça s'enfonçait jusqu'au néant quoi. Donc j'avais plus du tout de force dans les abdos, ni dans les jambes, ni nulle part en fait. Donc forcément ça a été très compliqué de reprendre, mais maintenant je suis motivée. Pareil pour les bras. Au début c'était tout mou, maintenant ça devient un peu dur, donc je suis un peu contente. Mais je sais que ça se fait pas en quelques semaines, c'est vraiment sur plusieurs mois. Donc je m'étais fixée, cette année 2023 c'est pour moi, donc ça va être toute l'année 2023. Et puis même si on peut continuer après, ce sera encore cool. J'ai pas l'intention de devenir bodybuilder, clairement pas du tout, mais juste de retrouver un corps à peu près normal, puisque bah, forcément après une grossesse on a un peu le ventre qui pend, on a plus de force dans le ventre, vu que les abdos s'écartent pendant la grossesse, bah après c'est très compliqué de les faire revenir entre guillemets, même si j'en ai jamais vraiment eu depuis que j'étais adolescente, mais au moins d'avoir un minimum de force dans les abdos, c'est tout ce que je demande. Donc, du coup c'est sur ça que je travaille, et forcément je veux pas avoir un ventre plat tout de suite, je veux d'abord retrouver de la force dans le fin fond de mon ventre. Et surtout que déjà j'ai plus de sensibilité au niveau de mon ventre depuis quasiment 5 mois, donc c'est très compliqué de m'accepter comme je suis, parce qu'il y a des endroits que j'arrive, enfin que je sens plus quand je les touche, donc c'est pas plaisant. Donc j'ai envie de me plaire au moins visuellement en fait. Donc mis à part ça, il n'y a pas que le sport, puisque j'ai décidé de reprendre un peu mon alimentation en main, étant donné que j'ai plus envie de bouffer du gras à outrance, de grignoter en permanence. Et justement j'ai réussi à peu près à diminuer tout ça, sachant que j'ai fait le jeûne intermittent pendant 2 semaines. Là je vais rattaquer un peu, mais c'est vrai qu'on a du monde à la maison, du coup c'est un peu compliqué. Et j'ai fait le jeûne intermittent pendant 2 semaines, c'était le 18.6, c'était pas le 16.8 que tout le monde connaît, où tu jeûnes pendant
pendant 16 heures et tu manges pendant 8 heures. Là c'était, je jeûnais pendant 18 heures, même des fois 20 heures, 22 heures à peu près. Je jeûnais le maximum que je pouvais. Donc s'il y en a qui ont des conseils par rapport au jeûne intermittent, je suis preneuse parce qu'il y a des moments où j'avais vraiment l'impression que ça servait à rien ce que je faisais. C'est justement d'ailleurs pour ça que j'ai essayé de manger moins gras au moment où je pouvais manger en fait. Et que aussi je faisais du sport à côté pour éliminer encore plus de calories. Bref, le seul problème, ou je sais pas trop si c'est un problème, c'est que je sais que je perds mais pas forcément sur la balance. Donc c'est un peu frustrant, même mon chéri me l'a dit. Ouais t'as perdu mais sur la balance ça m'affiche pas du tout ça, ça stagne. Donc voilà pourquoi j'aurais besoin de vos conseils s'il y en a qui ont déjà pratiqué le jeûne intermittent ou un rééquilibrage alimentaire, peu importe, je suis preneuse. Quand je vous disais que 2023 je ne serais plus la même, c'est vraiment vrai puisque j'ai décidé de prendre des résolutions par rapport aussi à mon entourage. J'ai très clairement plus envie de me prendre la tête pour des futilités et je veux m'accrocher aux personnes qui sont restées. Quand je dis ça, malheureusement quand tu perds un enfant ou quand tu perds un proche, t'as des personnes qui sont présentes avant, pendant, après, mais il y a aussi cette phase où tu commences à aller un peu mieux, là ce qui est mon cas en ce moment, et où certaines personnes sont restées, d'autres non. Et juste j'ouvre les yeux petit à petit sur certaines personnes qui m'entouraient et forcément on fait un tri sans même le vouloir. Je sais que c'est hyper triste ce que je vais dire mais on m'a toujours dit la vie c'est comme un train, tu montes dans le wagon et certaines personnes montent avec toi, quelques personnes vont descendre à certains arrêts et c'est clairement le cas. J'ai ouvert les yeux sur pas mal de personnes que je considérais beaucoup trop peu et qui méritaient bien plus que ça de mon attention. Donc cette année j'ai décidé de ne pas me prendre la tête avec les personnes qui m'entourent et de pas trop m'attacher non plus, juste de rester fidèle à ceux qui me sont restés fidèles. Vous allez me dire mais pourquoi tu nous dis ça? Bah tout simplement parce que je pense que c'est important de faire du tri entre guillemets, si j'aime pas dire ça, dans les personnes qui nous entourent parce que certaines sont néfastes et d'autres le sont pas du tout. Et on a souvent tendance à choisir les mauvaises personnes. Donc si vous sentez que vous êtes mal entouré, faites un tri. Voilà, c'était la petite parenthèse, mais d'ailleurs en parlant de tri... Ça n'a rien à voir mais niveau organisation dans ma maison tout a changé puisque ces derniers temps j'ai eu tendance à vouloir tout vider ma maison, tous les trucs qui me servaient plus, tous les trucs qui me servaient pas et où je me voilais la face parce que je devais les garder, je sais pas pour quelle raison. Bref, du coup j'ai décidé de tout vider ma maison, mes placards, mes buffets, bref, de tout retrier la vaisselle, de tout réorganiser mes placards. Je vous en ai aussi d'ailleurs fait des TikTok de rangement où j'ai acheté des boîtes chez Action, j'ai tout mis mes aliments secs dans des boîtes pour tout bien réorganiser ma cuisine parce que comme je vous ai dit, rééquilibrage alimentaire, ça me donne un peu plus envie quand c'est bien rangé. Donc j'ai commencé à faire du tri et aussi niveau ménage où je m'organise un peu mieux puisque je suis quelqu'un dans la vie qui est très 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 bordélique et du coup j'ai plus envie, j'ai envie vraiment de rester organisée au niveau de mon linge, au niveau du rangement de la maison, au niveau du nettoyage pour ne pas avoir trop à faire en une journée mais que ce soit fait plus régulièrement on va dire et que j'ai moins à faire. L'autre jour par exemple je devais nettoyer la maison comme certaines personnes arrivent à chez nous et en fait vu que j'avais rangé quotidiennement à peu près, et ben en fait je me suis rendu compte qu'en une heure c'était fait, donc bah j'étais super contente. Et ça part de là en fait, c'est d'essayer de rassembler les tâches petit à petit plutôt que de faire des grosses tâches. Et franchement je kiffe, je vous jure c'est un kiff complet. Là par exemple j'ai eu l'idée, et je sais pas si je vais vraiment le faire mais j'aimerais vraiment, c'est de mettre une étagère au-dessus de ma machine à laver et de mon sèche-linge à une grosse étagère où comme ça je pourrais plier mon linge et tout serait réorganisé. Enfin bref, j'ai trop envie de faire des trucs où c'est bien organisé, bien dans des flacons et tout. Enfin bref, pareil, si vous avez des conseils, je suis preneuse. De base je suis pas du tout dans le truc écolo, tri, tout ça, mais j'ai commencé à bien trier, récupérer des cagettes tout simplement pour trier le verre, le plastique. C'est quelque chose que je faisais assez régulièrement mais surtout dans mon garage, maintenant je le fais quotidiennement parce que bah, je trouve ça mieux et en plus de ça ça remplit moins la sac poubelle. Donc bah, j'essaie de me réorganiser aussi au niveau de ça. Et au niveau écologique, et bah, j'ai arrêté tout ce qui est coton jetable. Je me suis remise au coton lavable puisque j'en avais reçu quand j'avais fait un partenariat avec Hello Body il y a 3 ans de ça je crois, et je m'en étais jamais servie. Et en fait franchement c'est bien mieux. J'ai une de mes meilleures amies qui utilise des cotons lavables depuis des années et elle m'a dit mais utilise-en et tout, c'est trop bien. Bref, du coup je me suis relancée dans les cotons lavables depuis après 2-3 semaines et franchement c'est trop bien. Vraiment c'est trop bien. Je suis preneuse d'ailleurs si vous avez des idées de produits qu'on peut mettre sur des cotons lavables pour se démaquiller et en même temps que ça fasse un soin. Bref, si vous avez des noms de produits. Je suis hyper opée pour vous écouter parce que je sais pas trop quoi prendre, si ce n'est mon démaquillant et mettre un peu de lotion dessus. Mais j'aimerais bien genre soit une huile démaquillante, soit une gelée démaquillante, je sais pas trop. Au moins c'est un petit geste du quotidien que j'ai envie de changer parce que bah je trouve pas ça utile d'acheter autant de coton. Alors là bien sûr il m'en reste donc je vais devoir écouler mon stock, mais vraiment que quand j'en ai besoin parce que sinon bah, ça sert à rien. J'ai toujours entendu du bien des cotons lavables et
Je sais pas, moi ça me dégoûtait en fait, mais c'est juste que bah, il suffit de les laver quoi, c'est tout. Enfin je veux dire, il y a rien de grave. Tu peux les laver entre chaque démaquillage, chaque lavage du visage avec un savon, mais sinon tu le jettes dans ta machine à laver quand tu fais une machine, bref. Je sais que cette vidéo est hyper brouillon, je parle de tout et rien en même temps, mais je voulais vous parler justement de cette nouvelle année, de ces nouvelles résolutions. Je sais vraiment pas comment je vais appeler cette vidéo. En dernier point que je voulais aborder avec vous, puisque je vous en ai parlé au début de cette vidéo, c'est la chirurgie esthétique. Alors, je n'ai pas du tout décidé de faire du chirurgie esthétique sur mon corps, mais il y a quelque chose qui me complexe depuis des années et j'en ai jamais parlé, même à mes proches, parce que ben, en soi, je sais pas, je trouvais pas ça utile de le dire, mais j'ai un très gros complexe qui se trouve sur mon visage. Alors j'ai pas envie de me faire botoxer la bouche, hein, ni gonfler ni rien, mais il y a un truc qui me plaît pas, c'est en gros ici, bon là j'ai mis du rouge à lèvres donc ça se verra un peu moins, mais j'ai en gros mes lèvres qui débordent sur les côtés, genre c'est très peu dessiné, disons que c'est pas net et j'aimerais éventuellement faire un contour des lèvres, histoire d'avoir un contour des lèvres quotidien en fait naturel, pour redessiner un peu tout ça ou enlever tout simplement bah, le rose qu'il y a autour là, parce que ça fait genre j'ai bavé tu vois. J'en avais jamais parlé parce que jusqu'à présent bah, ça me complexait mais sans plus, et là plus j'avance dans le temps et plus ça m'énerve en fait, parce que quand je mets du rouge à lèvres bah, ça se voit et je suis obligée de faire plus grand du coup en bas et ça me fait une toute petite bouche en haut, donc pourquoi pas me faire un contour des lèvres. Voilà, c'est une idée comme une autre, même si de base je suis pas du tout pour la chirurgie esthétique, je pars du principe qu'on est comme on est, mais si on peut arranger ça aussi bah, ça peut être cool, étant donné qu'en plus de ça bah, maintenant forcément en post-accouchement j'ai quand même pas mal de petits désagréments sur mon corps, notamment les vergetures, donc j'aimerais au moins m'accepter visuellement parlant au niveau du visage et notamment au niveau de la bouche, donc pourquoi pas, je suis pas contre, j'ai admis au moins, c'est dit. Bref voilà, ça fait partie de mes résolutions, ça fait partie de mon changement, sachant que j'ai déjà beaucoup commencé sur tout ce dont je vous ai parlé et ça fait vraiment du bien, même les séances de sport ça fait vraiment du bien, même si sur le moment ça fait mal, même si des fois t'as pas envie d'attaquer parce que t'as trop froid, et bah ça fait du bien de penser à autre chose, et puis surtout de faire une activité sportive parce que bah, mine de rien je vais avoir 25 piges et je fais pas grand chose niveau activité physique, donc bah ça libère un peu l'esprit, ça fait du bien au mental, c'est peut-être la raison d'ailleurs pourquoi je vais un peu mieux depuis 3 semaines, donc bah on va dire qu'on va se motiver et qu'à la fin de cette année peut-être que je m'accepterai un peu mieux. En tout cas n'hésitez pas à me faire part de vos résolutions dans les commentaires si vous en avez pour cette année, si vous les avez commencées ou pas du tout, si vous en avez pas, c'était les miennes, c'est la nouvelle Vava que vous avez devant vous, j'espère quand même rester la même psychologiquement même s'il y a certaines choses qui ont changé, mais je suis motivée pour devenir quelqu'un que j'ai envie d'être. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.